Hey, on se retrouve pour la quatrième partie de prêt. Je me souviens plus où on était. On avait nettoyé l'aile technique avec les deux fantômes. La tourelle avait été dégommée. Je crois qu'on venait de lire la vidéo du bureau et du coup et qu'on apprenait que Alex nous avait coincés dans le jour qui se répétait, celui de la salle de simulation. Du coup, maintenant je me demande ce qui va se passer. On doit essayer de trouver les serveurs, c'était ça l'objectif, pour remettre en route la simulation. Pas la simulation, mais la vidéo enregistrée par nous-mêmes dans le passé, quoi. Les capacités des moines se produisent en lançant les connectomes des plus grands athlètes, artistes et penseurs de la Terre. Classe! Donc on venait de voir la vidéo, etc. Alex venait de l'interrompre. Et il nous dit qu'il veut nous parler avant. Ouais, c'est ça. On venait de voir la vidéo. Alex nous a interrompu et il dit qu'il veut nous parler avant. Ok. Donc on a tout ramassé ici. Du coup. J'ai recyclé ce que j'ai en double, puisque ça, j'en ai pas besoin d'une deuxième. Pièce détachée. D'accord, on peut séparer ça. D'accord, des matériaux. Ça, le coffre? Casier. Ouf, le Margrave. Oh, il a la classe. Fusil à pompe, appuyez sur un point R pour recharger. D'accord. La fusil à pompe Throne Tactical inflige des dégâts maximum à courte portée. Fusil à pompe. Son efficacité diminue drastiquement la distance. Ouais, d'accord, classique. Anti-recycleur. Vous rend insensible aux charges recyclantes. Et on peut l'installer du coup. Classe. En fabrication de cartouches de fusil à pompe, matériaux. J'avais cru lire 300, mais en fait c'est 3,00 voilà, à chaque fois. Du coup. Toi tu es en troisième place. Et ça c'est l'heure à Typhon en cinquième, d'accord. Merde. Serveur miroir déconnecté. Bon. Du coup, on a vu un code aussi. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Ça avait l'air d'être enregistré avant parce qu'on avait vu un code là sur le côté. Il y avait écrit 5150. Du coup, je me demande si je peux aller me servir du code, mais je crois que c'est à l'endroit où d'où je suis parti. Du coup, j'ai combien de compétences? Neuromode. J'en ai 6. C'est ça que je veux, la nécropsie. Récupérer plus d'organes. Donc, je vais utiliser médecin, je pense. Un neuromode. Amélioration du métabolisme. Médecin 2 et nécropsie. Voilà, je veux nécropsie. Du coup, il s'est rien à injecter dans l'œil. Combat, base, tirez vos professionnels. Unité d'affronter l'ennemi tête baissée. Vous pouvez emprunter d'autres chemins afin de vous faufiler derrière vos adversaires ou pour les surprendre. Si l'affrontement vous semble inévitable, servez-vous d'outils comme le canon glue pour amuser vos ennemis et augmenter vos chances de survie. Oh, il y a deux flingues. Est-ce que j'ai ramassé ça? Tumeur de mimique. Et du coup, c'est quoi tumeur de mimique? Agglomérat, nanana. Et ça vaut des ressources. Bon bah bien, ça vaut le coup de les récupérer du coup. À recharger un coup. J'adore le canon glue.
Oh oui. Elias Black. De réparation pour combinaison, plateforme. Balle de 9 mm. Ouh. Merde. On va le tester, hein. Franchement, il a la classe. Bon. En troisième, quatrième. On est bon. Du coup, ça me permettra de faire des attaques critiques. Ça, c'est cool. 1-1-1. Avec la nécropsie, je peux tout ramasser. Il y a une déchet, ça doit être un des mimiques. Mais du coup, est-ce que je peux tirer dessus? Il faut vraiment qu'ils arrêtent de me sauter dessus comme ça. Hein. Hardware Labs. Et du coup, là-bas, ça ramène de là où je viens. Non. 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 Est-ce que je peux sauter juste en dessous? C'est là. J'ai envie d'y aller. Je vais aller chercher. Je vais aller faire chercher ce qu'il y avait dans le coffre parce que là, j'ai pas envie d'aller encore et de continuer le jeu. Si j'oublie le code, ça servira à rien. Je me demande du coup si en se baladant dans les anciennes zones, on va avoir des mimiques qui vont réapparaître. Enfin, des mimiques ou tous les autres Typhon aussi, quoi. Il est recording room. Donc ça serait skill recording. Si on parle de compétences, ça serait pour enregistrer les choses qui vont dans les neuromodes en fait. Peut-être. Mais du coup, on a l'air plutôt tranquille. Ça fait quoi le clic droit? Parce que je clique sur le clic droit, mais ça fait rien. On peut pas viser avec? Psychoscope. Hein. Non. Que j'ai obtenu un mot de passe ou pas? Il n'y a pas de mot de passe dans la pièce. Commande HS. On a un onglet réparation du coup. Ingénieur. Ah bah nickel. Je pense que je vais me le prendre. Ça peut servir à réparer des choses basiques. Des assemblages. Ouais, ça peut. Oh, nickel. Et...
Des pièces détachées. Mais ça sert à réparer quoi du coup? Que ça servira à réparer ça? Sauvegarde. Donc les cadavres restent là en plus. J'ai vraiment d'habitude. Il y a une clé dessus. Calme, verrouillé, erreur. Message au sujet de ce matin, nana. Conférence. Je te rejoindrai bientôt à Kana. Mais Ikue doit tenir une conférence. Reste à espérer qu'il apportera directement la mise à jour des neuromodes pour qu'on se fasse enfin une idée sur le plan technique. Il va encore nous sortir ses cartes de Zener pendant 1 heure jusqu'à ce qu'on voit tous des cercles et des croix. Ses études sur Terre auraient dû lui apprendre à ne pas s'éberpiller. Plutôt sympa. Dossier. Réduction du bruit, activation de la gâchette. Arbalétrière. Allègement tout maintenant. Plan de fabrication de l'arbalétrière. Donc on peut trouver des plans de fabrication du coup dans le truc, ça. Oh, j'ai déjà vu. Ouais. Ceux où ils disent qu'il faut pas foutre le feu. On les a déjà vus. Bon bah on va continuer. On peut passer là-haut? Je me fais encore décontaminer. La classe. Je crois que votre système de contamination il est pas au point là. Je devrais atterrir du bon côté. Non, j'atterris dans le labo. Ouvrir une des vitres là. Pour revenir en arrière, j'ai oublié de repasser toutes les salles. Crois que je peux pas revenir en arrière si ça se verrouille et vu que j'ai fermé le truc là-haut. C'est la mouise. Je vais essayer de déverrouiller le truc pour pas me retrouver coincé. C'est pas celui qui avait disparu au tout début? Mais c'est quoi ce statut? J'ai plus accès du coup. Puis merde. Hein. Bon, on y est. Dans cette salle-là. Ça, je dois avoir vu. Lui.
Oh, hypopsie, matériaux exotiques, 6. C'est quoi ça? Augmente les dégâts infligés par l'onde électrostatique? Ça sort d'où? Ouais, c'était celui-là, 5-1, 5-0, qui était du coup illisible. Du coup, je fais comment pour remonter là-haut? Genre, les escaliers sont juste là. Donc là, pour l'instant, Donc je peux aller détruire les trucs en fait. La classe. Comportement de Morgane. Je crois que c'est des trucs qui se recyclent, ça. Bon, on va pouvoir continuer. Nickel. Petite douche. Je sais pas pourquoi ça m'indique, mais c'est pas grave. Je suis pas rentré dans cette salle. Est-ce qu'on peut y rentrer au moins? Ce sera plutôt de l'autre côté du coup. Il y a tout l'étage en fait auquel j'ai pas accédé. Bon, du coup, allez, on peut repartir. Ok, ami. Bon, du coup, on va rebouger à nouveau.
La charge recyclante décompose la structure moléculaire des objets recyclés en explosant, les transformant ainsi en matériaux recyclables. Votre uniforme vous en protège dans une certaine mesure, mais ne vous immunise pas totalement. Être à proximité. C'est pour ça, du coup, que j'ai reçu un neuro. Pas un neuromode, une sorte de puce qui me permettait de renforcer ma résistance, c'est ça. J'ai plus de place pour un neuromode. Ah oui, non, ça problématique là. Ça devient très problématique. Je vais aller chercher un recycleur tout de suite. Pour l'instant, ils n'ont pas de capacité psychique, donc je vais pas trop me faire chier. Va transporter tout ça. Kit de récupération. Regardez, hypopsie. Ouf, normal. Oh, j'adore cette machine. Synthétique. Du coup, il y a plus que trois types de matériaux. Retourner chercher ce qu'il y avait en bas. D'accord. Désolé, je vous testais si ça pouvait enfoncer les portes ou autre. Oh, c'est la classe. C'est quoi ça? Donc ça, c'est la station Talos. Oh, c'est la classe. Je trouve que l'espace, c'est vraiment, vraiment, comment dire, pas effrayant, mais oppressant. C'est... 2030. Talos One. C'est vraiment oppressant de se retrouver dans l'espace et de se dire qu'en plus de ça, la station est en train d'exploser un peu partout. Du coup, ouais. Bon ben, on va écouter, hein. C'est parti pour la visite. 2030. Talos One, monument de l'industrie spatiale privée, devient totalement opérationnel. Le premier neuromode permettant des améliorations révolutionnaires du corps et de l'esprit humain devient accessible au public. Elle lit ce qui est écrit, hein. Vas-y, comment... 2025. Création du conseil d'administration de Transtar. Transtar achète et privatise le centre Kletka sous couvert d'une vision se concentrant sur la sécurité et des améliorations à la pointe de la technologie. 1980 à 1994. L'évolution de la situation géopolitique provoque l'arrêt temporaire du projet Axiom. Après le malheureux incident de Pobeg au cours duquel deux chercheurs perdirent la vie, le centre Kletka est démantelé puis nettoyé. 1964. Après la tentative d'assassinat sur le président Kennedy et le départ de Khrouchtchev, les États-Unis doivent s'acquitter de droits d'exploitation afin de conduire des tests à Kletka. Cette période, connue sous le nom de Projet Axiom, voit un progrès significatif dans les domaines des matériaux nouvelle génération et des biosciences indispensables à la modification neuronale. 1963. Kletka, un centre de recherche né de la collaboration des Américains et des Soviétiques, marque l'apogée des négociations top secrètes de la guerre froide. Signifiant « cage » en russe, Kletka est à l'origine de l'armature et des systèmes principaux d'urgence de ce qui allait devenir Talos One. D'accord. Bon, je les ai lus à l'envers, je crois, mais du coup, en gros, les Américains et les Russes bossaient ensemble. Dans le dos de tout le monde. Bon, si j'ai... Elle s'appelait Alisa, ça veut dire joueur. Ouais, hop, hop, hop. Ok. What? De l'évée question. Des gens courent loin, ne sont même pas allés. J'ai vu un policier se diriger dans des gens dans un restaurant.
Sous-sol, je crois que c'était un ancien opérateur maudit. Je regardais à nouveau en l'air, il n'était pas militaire, c'est sûr. Je pensais qu'il allait à l'aéroport et il s'est changé en étincelle sans son devant mes yeux. Il avait disparu, tout simplement. Un homme à côté de moi commença à jurer. Je perdis l'équilibre et ma tête heurta la chaussée. D'accord. Bon. Pour l'instant, ça a l'air. C'est quoi ça? C'est clé. Est-ce que je dois aller là-dedans en premier? Il me semble que j'ai une carte pour aller là-dedans. Ouais, c'est ça. Oh oui, tourelle. Feuille de personnage. Oh oui, les vieux RPG! La force de la Fatal Fortress. Captain Stabfellow. Elias Black. Donc Elias Black, c'est la dame qu'on a trouvée morte vers l'escalier, normalement. Et du coup, voilà. Les postes de sécurité. Ok, on peut retrouver les employés du coup, mais bon, ils sont morts. C'est pas une blague, une question de vie ou de mort et des novides. Ouais, ils ont envoyé plein de messages au bureau, quoi, mais du coup, plus personne pour répondre. Modificateur d'armes. Coffre de la sécurité, j'ai pas le code. Deuxième jour. À mon réveil, j'étais toujours dans la rue, un camion M35 s'est arrêté près de moi, 4 ou 5 soldats et environ. J'ai demandé ce qu'il se passait. Les gens pleuraient dans le camion, la fumée ressemblait maintenant de gris et montait haut dans le ciel. Il y avait tellement qu'il semblait recouvrir la. Les coups de feu retentis, nanana. C'est quoi? Il s'est passé quoi? Un début de guerre mondiale ou quoi? D'accord. Mais du coup, j'ai un fusil à pompe en trop parce que j'ai un fusil à pompe qui est exactement pareil, mais juste avec un skin quoi. Bah voilà. Il y a quelque chose dans cette station, mana. Je continue. Vous savez que j'ai Ouh, excusez-moi. Vous savez que j'ai consulté un docteur pour mes troubles du sommeil. Il m'a donné des cachets, mais j'ai toujours des visions. L'autre soir, après le match, j'étais en train de faire le ménage quand une chaise a bougé toute seule. Je ne suis pas fou, comme vous savez qui. Je vous écris, car juste après l'alerte, j'ai entendu quelque chose dans les conduits au-dessus du poste de sécurité. J'ai cru voir quelque chose de noir là-haut. Faut qu'on regarde ça de plus près, car je commence à croire qu'il y a quelque chose dans cette station qui nous est inconnu. Officier en second, Elias Black. Ilyushin. Donc Ilyushin serait traité aussi comme quelqu'un de fou. Mais ça commence à croire qu'elle souffre du bruit blanc et. D'accord. Du coup, mettre de côté. Accès, besoin d'une escorte. Ok, bon. C'est joyeux. Je sais pas où ça mène, je sais pas comment on l'ouvre. Bon. Ça devait être glauque du coup de se retrouver sur la station, de voir des choses bouger, etc. Et quand on dit les choses, ben, Bianca Godwin, finalement on nous croit pas quoi. Jason Chang. Toi, je vais te déplacer un peu parce que j'aimerais bien que tu couvres une plus grande surface. Nickel. D'accord, c'est le scanner. Charge IUM. Il y a beaucoup de grenades. Hein. Charge IUM est même extrêmement efficace contre les robots, les tourelles et autres entités électriques. De secours. J'aurais manqué quelque chose. Porte d'ascenseur, c'est fermé. Dysfonctionnement. Donc on peut pas utiliser l'ascenseur pour l'instant, il est buggé. Vous aurez du mal à vous y rendre. L'ascenseur principal ne
que le code de diagnostic change à chacune de mes requêtes. Je cherche une solution de contournement. Mais donc January, ce n'est pas juste une sauvegarde, puisqu'il est capable de d'interagir et de s'adapter. C'est presque une intelligence artificielle. Voire c'est une intelligence artificielle. Bon. On va recycler tout ce que j'ai. Non. Du coup, j'ai des grenades, etc. Faudra vraiment que je m'en serve. Bah ça, on va jeter aussi. Modificateur d'armes. Je pense qu'on va essayer de les utiliser. Ah ouais. Peut-être qu'après, si on a assez d'armes, etc., on pourra faire un choix entre ce qu'on veut porter ou pas. Du coup, toi, je vais t'améliorer. Si t'as un pistolet silencieux. Ça, un point de. Ouais, un point, c'est pas ouf. Précision. On peut pas viser. Nickel, bon. On va bouger. On allait là-bas et c'est le département des ventes. Ouais, c'est ça, département des ventes. Yori Kimura. Celui-là, il a un nom. Déjà lu. Fléchette, Flexiflom. Arla a été désigné il y a 2 ans à Talos. Il a fait plus de 50 voyages entre la Terre et la Station, pas mal pour quelqu'un qui a peur de voler. Ok. Bon. La vie d'un employé modèle, quoi. Yuri Kimura, Neuromode Astral Tech. Arbalétrière. C'est quoi cette... L'arbalétrière tire des fléchettes en mousse qui n'inflige aucun dégât, réputée pour sa capacité à taper sur les nerfs des collègues, distraire les ennemis ou et activer les interrupteurs et écrans tactiles à distance. J'ai un doute. Est-ce que ça serait quelque chose de tactique? Ça, c'est le manuel d'instruction d'installation des neuromodes. Et pourquoi il y avait un fantôme qui portait le nom de celui qui travaillait ici? Du coup, les fantômes, ce seront les gens qui... Ce seraient des gens qui se font transformer. Intéressant. Tu peux pas les renvoyer chez toi, on a déjà remarqué leur disparition. Un mois de salaire et je les fais disparaître. Elias Black et Yuri Kimura. Est-ce qu'elle parlait des neuromodes? Du coup, faire disparaître les neuromodes et lui il a essayé d'installer les neuromodes et du coup lui il est devenu un typhon aussi. Mais si moi j'ai. Si c'était moi à la base qui devait expérimenter les trucs, que je me suis dévoué à ça, est-ce que ça veut dire que je pourrais être infecté aussi? J'aime pas beaucoup l'idée. Pourquoi c'est plein de glu?
Dysfonctionnement. Oh! On peut les remettre en route et tout, du coup, pour certains endroits. Envoyer remarque, problème. J'ai pas envie de garder ça personnellement. Ça me dit rien, j'en vois pas trop l'utilité. Café Karsk. Soigne la peur. Boire de l'alcool, ça soigne la peur. Ah, se tient. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Je vais les bazarder pour l'instant. C'est dans les rapports techniques que les merveilles technologiques telles que les terminaux miroirs sont conçues et développées. Ouais, j'avoue que c'est à la classe quand même. Oh putain. Ouh, j'ai pris cher. Réassemblage requis. Du coup, c'est quoi de réassemblage? Ingénieur, ingénieur, désassemblage. J'aime. Tant qu'on peut avoir plus de trucs pour l'instant. Voir s'il pouvait choper une bouteille d'Old Sardar, ça te dit de venir. Hop, hélice. D'accord. Du coup. Jorgen Thorstein, d'accord. Du coup, on a intérêt de retrouver les cadavres en fait de ceux qui travaillent ici. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Oh, j'ai utilisé le leurre. Non, j'ai tout utilisé. Fragment d'astéroïde? Ça a explosé dehors là? Oh non, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans l'espace. Ouais, c'est ça. J'espère qu'on va pouvoir aller sortir.
Mais les coups des installations martiennes continuent sont sidérants, alors qu'il ne s'agit que de spartiates cellules. À des années-lumière des idylliques colonies vendues par les affiches de tourisme spatial du début du siècle. Et tout cela va peut-être changer dans l'un de ses rares entretiens, le président de Transtar, Alex Yu. Donc Alex Yu, c'est le président de Transtar, dévoile sa mission de Mars où des familles en manches courtes peuvent pique-niquer dans l'herbe et pointer du doigt le petit point de lumière qu'est la Terre après le coucher du soleil. Et ce fut l'émanement qui fait place au président Reagan, même à cette époque. D'accord. Du coup, ça mélange l'histoire, etc. Y a un truc là-dessus. Il cache de l'alcool au bureau. C'est la classe. Du coup, ce truc parle. Modificateur d'armes. C'est la même chose que pour les améliorer. Ouais, c'est ça. Carte de la zone. Donc avec les ordi on peut mettre à jour notre carte aussi. Hall, grand hall de Talos. Donc on vient de là et tout ça c'est l'atrium. Ok, scène de présentation, atelier, ok. Donc la scène de présentation, labo balistique. Et l'atelier c'est là où on doit aller. Ok. Déverrouiller le casier de sécurité. Ah c'est là-bas. Ouais, je vais le prendre pour le recycler, quoi. Vais te mettre là pour l'instant, tu vas couvrir. Attention, combinaison endommagée. Ok, bon. Merde, l'écran. Oh chiotte. Clive Lawrence. Attends, j'aurais bien aidé lui. Entrée des employés. Où est-ce que ça ramène? Démonstration. Vous tentez de bouger de toutes vos forces, mais rien ne se passe. On a l'impression que leur esprit, il est toujours là, dans les fantômes. J'espère que ça va pas nous sortir un truc du genre qu'on tue des humains qui sont juste coincés, etc. Très horrible. Oh.
Ah, d'accès de maintenance. On est où ça? Randallwood. Merde. Charge UEM. Est-ce que ça me servira de charge UEM? Peut-être. L'unité. Bon. Oh, on peut grimper sur la mousse. Ah bah oui, comme le gars il a fait dans la salle. Une grande partie de la technologie à bord de cette station est conçue ici. Équipement scientifique, pièces sur mesure, prototype. Nous devrions pouvoir réparer votre terminal miroir à l'atelier du docteur Calvino. Tourelle père indicatrice automatique. Version 0.7.6 en ligne. Wow. Il est monté? Pourquoi il vole? Oh, il y en a encore un autre là-bas. Donc c'est à ça, c'est des... C'est l'équivalent de nouveaux ascenseurs en fait. Franchement génial, on peut... On peut interagir avec l'environnement comme ça. Ok, donc là il n'y a pas d'oxygène. Ouh. Bon, on retrouve un recycleur là. Il n'y en aurait un dans le coin où on sait où il est. Borne d'alimentation, fabriqueur, recycleur, donc c'est un symbole vert. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fabricateur, distributeur d'opérateur. Il n'y a pas de fabricateur non plus. Poste de sécurité. Mince. Si on veut se vider, il faut aller déjà ailleurs. Ouais, bah, je crois que je vais profiter pour faire un aller-retour du coup. J'ai pas vraiment envie de me balader sans rien. Elle est... Ni. Ah, c'est ça. Bon. Du coup, je vais couper là. Je vais faire la petite pause, comme ça je vais pouvoir relancer après. Dans la prochaine, j'aurai déjà, je pense, recyclé, etc. Je me serai mis de nouveau bien. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Je vais reprendre dans pas longtemps, de toute façon. Donc, je vais continuer, je vais enchaîner sur le jeu. Là, je vais juste faire ce qu'il y a à faire avec le recycleur, arrêter cette partie ici. Et je vais enchaîner. Donc, sur ce, merci à tous d'avoir regardé. En espérant que ça vous ait plu et je vous dis à toutes.